L'astrolune Shadok ne peut pas partir. Les Shadok neufs refusent de pomper. Pour leur faire peur, le devin plombier est allé réveiller la légende. En ce temps-là, en effet, chez les Shadok, il y avait une vieille légende qui courait. Et quand elle ne courait pas, c'est qu'elle était partie se coucher ou qu'elle était tombée dans le fossé. Ah ouais. Alors on l'attrapait assez facilement. Le devin plombier l'avait enfermé dans son robinet et il la faisait parler le soir à la veillée pour faire peur aux Shadok malades et les faire pomper. Elle disait pas mal de bêtises, la vieille légende, mais elle disait aussi qu'autrefois, sur la planète Shadok, il y avait un monstre. Un monstre terrible qui n'avait qu'un œil et qui mangeait tous ceux qu'avaient le mal de lune. Elle disait qu'il avait été condamné à errer dans l'espace, le monstre, mais qu'il avait juré qu'il reviendrait et qu'il se vengerait. Et c'est sur eux qu'il se vengerait s'il ne voulait pas pomper. Voilà ce qu'elle disait, la vieille légende. Et elle ajoutait que quand le monstre reviendrait, eh bien, ce serait la fin du monde par-dessus le marché. Mais ça, c'était pas vrai. C'était la vieille légende qui inventait. Les vieilles légendes, c'est comme ça. Plus ça devient vieux, plus cela parle à tort et à travers. Mais les Shadok neufs, une légende aussi vieille que ça, cela leur faisait ni chaud ni froid. Ah, elle avait bien du mal. Alors, pour lui donner un coup de main, le devin plombier regarda dans son robinet magique un matin et s'écria « Ça y est, je le vois, il arrive, il est là, levez-vous et pompez, c'est dans 3 jours la fin du monde. » Ah ouais. Mais les Shadok neufs disaient qu'il s'en fichait. Attention, plus que 2 jours avant la fin du monde, et les Shadok neufs s'en fichaient de tout. Pour la dernière fois, je vous le dis, pompez et craignez, car c'est demain la fin du monde. Et à la veille d'un si grand jour, les Shadok neufs restaient couchés. Belle mentalité. Le soleil et la terre, un peu plus tard, en firent autant. Et à la faveur de la nuit, silencieusement et pas à pas, tout doucement, le lendemain approchait. Et si la vieille légende avait dit vrai ?